Salut les VTT, salut les cyclistes, on se retrouve directement sur le vélo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sortie route, petite sortie du 28 km. On va aller rouler toujours dans mes routes auvergnates, tranquillou. On va essayer de pas trop traîner aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de mon fils et j'ai du monde à la maison. Alors si je veux pas me faire engueuler par la brune, il vaut mieux que je me bouge le cul. Allez, on continue cette route. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va tester le nouveau compteur sur le centre. Un Brighton Rider 15. On va voir ce qu'il vaut. On va le mettre en test. Et puis, je vous ferai un retour là-dessus aussi. J'ai pas mal de choses à faire en retour. Ça arrive bientôt. Alors pourquoi j'ai pris ce Brighton? Ben, tout simplement par rapport au compteur, à la transmission avec Strava, ça fait enregistrer directement. Parce que mon portable, j'ai vu que les applications me défoncent la batterie. Il n'est pas tout jeune le téléphone, du coup la batterie y attrape. Alors du coup voilà pourquoi je suis passé sur cette gamme de compteurs. Première fois que j'aurai un Brighton. Sur le VTT j'ai un Sigma, j'en suis content. J'espère que celui-là, ben, ça sera pareil. Bon, ben, cette route là tu la connais, direction Paladuc, faux plat montant. On va essayer de rouler tranquillement, petite sortie. Bon, ben, maintenant ça fait à peu près un peu plus d'un mois que vous me suivez sur cette nouvelle aventure route. La petite conclusion, j'étais un petit peu sceptique là-dessus. Et en fait, je me rends compte que je prends énormément de plaisir à aller rouler sur les routes auvergnates. C'est vraiment pas du tout pareil par rapport au VTT. En ce moment, les chemins chez moi sont vraiment pas praticables. Et je dois tout de suite continuer à m'entraîner. Parce que les randos VTT vont bientôt attaquer ce mois-ci. Je vais être là présent aujourd'hui. Un peu plus d'un mois que j'ai ce vélo maintenant. Super satisfait de cet achat. Les pièces que j'ai mis dessus, notamment la selle, au top, c'est l'Italia, la bien. Je vais investir pour le VTT aussi. Voilà, bon, je vais me rendre compte que le Brighton, j'ai sorti de la boîte, je l'ai préparé, mais je ne l'ai pas chargé. C'est bien, quand c'est comme ça les conneries, les vidéos. Il reste une barre, on va voir ce que ça dit. Si ça veut tenir, une autonomie de 16 heures d'activité, ça verra bien. Ceux qui me suivent sur ce travail, ici c'est le segment sous le boss. La semaine dernière, j'ai roulé avant la sortie de VTT qu'on a fait famille. J'ai fait une sortie de ma dernière route sans filmer. Je suis venu tester un peu mes pertes. Ce segment je le faisais en 7 minutes et la semaine dernière je l'ai monté en 3 minutes pour vous dire que le vélo de route paye. Du coup sur cette sortie on va essayer de ne pas faire de pause, on va essayer de se manger les 28 km sans s'arrêter, espérant que ça passe et aussi parce que là c'est le seul jour que je peux m'entraîner. On a changé de mois. On va aller s'entraîner un peu plus souvent maintenant sur route et VTT, mais plus de la route. C'est de passer à 2 entraînements, voire 3 entraînements par semaine. Parce que le mois de juillet arrive à grands pas et il faut que je sois prêt pour cette sortie. Bientôt, je pense que je vais aller rouler avec un abonné à moi qui est abonné sur le groupe VTT. Avec le Vingard sur Facebook, il m'a sollicité pour faire une sortie route. Là je pouvais pas par rapport à mon fils, mais très bientôt on va essayer de s'organiser ça, t'inquiète pas, je pense à toi, on va essayer de rouler fort. Je vais prévoir un petit parcours, pas trop de D+, parce que ma cuisse est encore douloureuse, mais t'inquiète pas, je pense en toi, on va en reparler.
très bientôt. Regardez, ils ont tout coupé. C'est impressionnant. C'est vraiment dégueulasse de voir ça. Bon, mais là, le soleil se lève. Ça fait du bien. On va voir ce que Brighton nous annonce. 6 degrés. Ça va, pas trop mal. Bonne température pour rouler. Et on va trouver un type là. Il est bien grimpé, franchement bien. La route est un peu décrampée. Surtout, ils ont salé. Alors bon, les pneus là. Les pneus Chilson, j'en suis vraiment content. Il y a beaucoup de critiques dessus. Moi, j'ai rien à leur reprocher. Allez, voilà. Alors, un dernier bout de montée un peu hardcore. Donc, on va redescendre sur Saint-Victor. La trappe. Pour ce coin magnifique, route de montagne. J'adore ce coin. Vraiment. Beau parcours celui-là, beau parcours d'entraînement. Je fais vraiment volontiers ce parcours-là, je l'adore. Regardez-moi comme c'est joli. Regardez-moi ça. Avec la petite descente, ça là on va la surnommer vers le moulin. Vous allez voir qu'il y a un beau petit mur en bas. Et de continuer parce que ça glisse quand même pas mal ce matin. On va chercher une vitesse pour lui. Et là on est sur la petite montée de Saint-Victor. Alors on monte à 14 km/h, c'est cool. La cuisse ça fait un peu mal mais ça va. Ça suit. Le compteur Brighton pour l'instant satisfait. On verra le téléchargement parce que j'ai quand même mis ce travail pour comparer les deux. Voir ce que ça dit. Allez, on continue de monter à tout à l'heure. On va toujours dans cette grimpette de la trappe. Ça se passe, on va dire tranquillement, mais ça se passe. Toujours personne, on est tranquille. On est déjà à 22 km. Cette sortie, je l'aurais pas vu passer. Allez, voilà, on va arriver à la dernière descente. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Une sortie assez courte, assez rapide. On va regarder Strava ce qu'ils disent tout de suite. Alors, une sortie qu'on a fait en 1h21, c'est une sortie que je faisais avant 1h30. Alors, je suis assez satisfait. 28 km, vitesse moyenne 20 km/h. Après, vitesse de pointe, on n'a pas fait vraiment de vitesse de pointe, on est monté à 56. Bon. Satisfait de pour l'instant de mon chrono, de mon temps. Voilà. Le petit Brighton qui est en test en ce moment sur la chaîne. Franchement, du beau matériel. Je suis satisfait, je suis ravi. Il n'y avait qu'une seule barre de batterie.
Les 1h30, il les a bouffés et je les ai laissé même se décharger après pour vraiment leur charger à fond. Vraiment super, super petit compteur GPS qui va très bien pour ce que j'en fais. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo présentation matérielle. On va revenir sur les pièces du vélo, le vélo, tout ça. Bon, bah sur ce, porte-toi bien. Oublie pas, fais du sport et fais du vélo. À la prochaine!